Salut à tous, c'est Nardaday, on est reparti sur Forager. Donc j'ai farmé un petit peu hors caméra pour éviter que ce soit trop répétitif, forcément en vidéo. Donc là je suis en train de faire la dernière partie qui manque pour pouvoir faire l'usine. Donc globalement, est-ce que ça s'est résumé un peu à faire la même chose, hein. En fait, attendre que les nasses capturent un peu de sable, avec le sable faire du verre. Et surtout, en fait, farmer. Donc rien de très intéressant à montrer en vidéo en tout cas. Donc vous en faites pas, vous n'avez pas perdu grand chose. Donc là on va enfin pouvoir mettre l'usine. Si je me suis pas trompé dans mes calculs, usine, voilà, bingo. Par contre, elle est plutôt grosse. Est-ce qu'on la mettrait... Ah, je sais pas du tout par où la mettre. Alors là, par contre, ça devient un peu embêtant. Je vais faire genre un autre pont. En fait, je dégage. On va faire un pont genre ici. Construction, agriculture, pont. Tac. Toi, dégage, tac, tac, tac. Donc on peut se permettre. Voilà, là on a fait un gros pont. Donc on va pouvoir placer notre usine ici. Ah, je me suis attaqué pendant que j'étais dans le menu. C'est un peu traître ça par contre, hein. Voilà, on enlève ça aussi. Et ça aussi, ok, globalement on est bon. Donc on va pouvoir mettre notre usine. Par contre je sais pas du tout ce qu'elle va faire. Alors je m'en vais. Genre ici, voilà. Ok, alors globalement qu'est-ce qu'elle fait? Un oblitérateur, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, on peut faire de la fibre de fer. Ah, le droïde, le fameux droïde. Ok, alors il faut du plastique. Comment on fait du plastique? Il nous faut une bouteille d'huile et du charbon. Ok, avec ça il nous faut fibre de verre. Fibre de verre, il nous faut du verre, du plastique. Et oulala, ça va nous demander beaucoup beaucoup. Et des pièces électroniques. En pièces électroniques, il faut du cristal, du plastique. Oh, alors, il va nous falloir beaucoup beaucoup de choses. Bouteille d'huile. Où est-ce qu'on peut trouver des bouteilles d'huile? C'est un peu la question que je me pose. Donc je pensais qu'on allait pouvoir avoir notre droïde. Désolé, alors, si je bégaye un petit peu, c'est la troisième vidéo, je crois que je tourne dans la même journée, donc ça commence à faire beaucoup. J'ai passé tout mon samedi dessus, donc là je suis un peu vers la fin. Donc ouais, tout ça pour dire qu'en gros, je pensais qu'on allait avoir notre droïde aujourd'hui, mais j'en suis pas sûr finalement. Alors par contre, comment on a des bouteilles d'huile? C'est un peu la question que je me pose. Ouais, je sais, tu vas manger, récupère un peu de fer. On a un galère de fer, voilà. Des bouteilles de lait, ouais. Ah, il faut peut-être que je fasse des bouteilles en verre. Tu vas manger. Mais l'huile, comment je la récupère, l'huile? Bonne question. On va faire déjà en attendant... Tac. Il faut des briques pour faire un bâton de ménage. Ça nous est pas mal ça. Alors briques. Voilà. Et charbon va nous en falloir aussi pas mal. Voilà, globalement on est bon. On est plutôt bon. Alors on a trouvé la dernière fois où faire des... Hop, on récupère un peu de bois. Ou avoir des os. Donc avec l'os on va pouvoir avoir une nouvelle hache. Enfin pioche pardon. Ouais. Donc je crois que c'est à peu près là-bas. Est-ce qu'il y a des lits où on pourrait défoncer? Oh! Ah, j'avais oublié ça, j'avais oublié. J'avais oublié, dès que vous approchez, vous faites défoncer. Donc game over, on va retourner dans la partie. Jouer. Tac, juste ici. Voilà. Alors, au niveau des pièces d'or, on a 566. Un peu plus maintenant. Moi, je trouve ça rentable, les banques, on m'avait dit que une c'était pas assez. Je pense même en mettre une troisième genre ici. Comme ça ils vont vraiment pouvoir. D'ailleurs ça nous coûterait combien pour refaire des banques? Tiens. Construire, économie, banque. Nous faudrait des briques, ok, et des lingots d'or. Très bien. Lingots d'or. Ça va faire combien? 7 pour l'instant. Parce que t'as pas assez de charbon. Tu vas nous faire un peu de charbon. Ça me paraît pas mal. Aussi, on récupère. Hop, une fois surtout du sable pour le verre. On va fermer un peu de bois du coup. Le bois ça va être important. Puisqu'il nous faut du charbon. Je regrette un peu du coup d'avoir fait l'usine en prio. Faut que je regarde aussi ce que ça donne pour la magie. Il y a plein de trucs, il y a vraiment plein de choses dans le jeu. On est rarement au bout. J'ai pas encore réussi à le finir. Je suis vraiment en train de faire la plus longue partie. Ça a été en jeu, là comme ça avec vous. Donc en vidéo. Ok,
Ok, donc là on a pas mal de betteraves, on en récupère. Tac, voilà qui me paraît du coup pas mal. Je ferais bien un patron de minage avant de commencer à faire des banques. À faire étape par étape. On a un peu plus pour récupérer plus vite des ressources. Alors déjà tu vas manger, globalement. Plus équilibré. Alors. Ah, on vient de passer niveau 20, super. Industrie. Il nous faut des briques. Alors on va faire des fouilles, pas de problème. Ah, il nous faut du charbon à fond. On n'a pas de tout de charbon quoi. Donc, il nous faudrait du bois de ouf. Il manque de l'or aussi. Comme ça on récupère, je récupère tout ça. Tac tac. Du poisson si tu veux, de toute façon on a beaucoup. Le charbon c'est bon, on récupère tout ça, tout ce qui est là. Tac. Mais là je regrette un peu à chaque fois, c'est une galère pour y accéder. Passer entre les deux, c'est un peu. Globalement du bois, ils ont farmé pas mal de bois. Voilà. Il n'y a jamais assez de bois de toute façon. Parce que nous avons besoin de beaucoup de charbon. Ok. Donc là je récupère un peu de pierre quand même. Voilà qui me paraît pas mal. Alors, du fer. Tu sais qu'on a toujours besoin de fer aussi. Ça c'est un truc de ouf. En même temps on a besoin de toutes les ressources. Tout le temps. Donc limite je pourrais ne pas bouger, rester appuyé, puis farmer tout ce qui est autour, sans même, ça serait toujours utile. Alors du charbon on va récupérer un peu là, donc ça c'est tout bénef. Et je sais que t'as faim mais tu mangeras un peu plus tard. Ok, on va récupérer ça, du coup ça va peut-être te détendre aussi. Hein. Ok, faut qu'on farme comme des malades, on bouge même plus. Voilà, donc là, on va récupérer un peu de charbon, c'est vraiment notre ressource pour l'instant dans laquelle on est plus en galère. Voilà, on avance plutôt pas mal. Dégage, tac, récupère. On va manger peut-être un peu de poisson pour alterner un peu. Je suis épuisé, je sais, mais malheureusement, t'es pas prêt de t'arrêter mon pote. Hein. Ok, je reviens de manger. On va te faire manger un peu. Tu vas manger. Alors, tiens, tu vas boire du lait et des betteraves. C'est parfait. Alors, on va récupérer les pièces d'or. 700, vous voyez, depuis le début là, j'ai vraiment pas fondu. Le peu d'or que j'ai vraiment, j'en ai vraiment pas fait des pièces. Je suis déjà à 719 en or. Donc globalement c'est plutôt cool. Et je me dis si j'avais une troisième banque, ça irait encore plus vite. Je pense qu'avec les briques qu'on a fait, on a peut-être moyen du coup de faire ça. Ouais, parfait. Alors par contre on va le mettre, c'est la question que je me pose. Déjà on va s'en aller, récupérons le fer, tac. Un peu de sable, moi ça me va très bien le sable, on en a toujours besoin. Là il y a déjà un bâton qui est ici, toi tu vas dégager, j'en mettrai bien un de l'autre côté là. Juste ici, on va essayer de faire beaucoup de ressources. On va en exposer un là déjà, tac. Ok, et le bâton je vais mettre, oh mais devant ça va me bloquer si je veux passer dans le donjon. C'était pas une bonne idée. C'était un endroit. Ah l'île là-bas là, elle est hyper chiante. Même ici ça peut être une bonne idée. Hein. Ouais carrément même. C'est plutôt. Globalement c'est bien. Ah oui, ça c'est pour avoir un bonus de cueillette. Ok. Même ici, globalement, ça peut être bon. Où est-ce qu'on va le mettre? Alors. Équipement. Ah tiens, compétence. Ah oui, j'avais oublié qu'on avait amélioré. On avait un point de compétence à dépenser. Alors ça j'ai bien envie de prendre. Les zones d'effet des phares est doublée, la zone d'effet des bâtons de minage est doublée, donc on pourrait aller deux fois plus vite. La zone d'effet des centrales électriques est doublée, donc ça pète pas mal. En architecture, les structures sont deux fois plus résistantes, 25% de matériaux au moins. Les entrepôts aussi, ça peut être pratique. Tout est génial aussi à prendre, c'est ça qui est dommage. Enfin dommage, c'est bien à la fois. Je crois que le forage ça peut être stylé, hein. Ça débloque les foreuses maritimes, je sais pas ce que c'est. Laser. Le tout des dégâts, les droïdes infligent tout des dégâts. Ouais mais pour l'instant on n'a pas de droïdes donc bon. Textile, ouais. J'ai tellement de trucs. Bon écoute, on va pas s'embêter. Je sais bien ça moi, l'inscription. Pour l'instant. On va débloquer ça. Je sais pas du tout ce que c'est que la table d'inscription.
Alors, voyons voir. Parchemin de novice. Débloque tout. Débloque les parchemins de novice, d'accord. Débloque les chaudrons. Ok, donc ça nous aide pas beaucoup pour l'instant. C'est pas grave. Alors déjà, on va placer notre bâton de minage. Les magies, t'as d'inscription. Il nous faut juste des briques. Bon, c'est pas un problème. Ça va être assez facile à faire. Bâton de minage, on va le mettre genre ici. Voilà. Bon, bah là, on va laisser farmer pour nous de notre côté. Ça va nous aider pas mal. Toi, tu dégages. Récupérons un peu d'or, on va en avoir besoin pour les banques. Et on va faire des briques aussi, on va faire des briques. Je sais pas du tout si la magie est pratique ou pas, si c'est bien, je sais pas. Je suis vraiment en totale découverte aussi pour le jeu, donc bon. Briques. 36, et bah tu vas y aller. Charbon, on va en faire aussi pas mal, 41. On va récupérer tout ça. Tac, on va manger. Alors, voilà. Donc là, ça va être... toute la zone à droite devrait être en bas. Tout devrait être déblayé dans pas longtemps. Il a du boulot, ça c'est cool. Hein. Et pour la magie, je sais pas du tout à quoi ça me correspond. Hein. Je sais pas si j'ai une connerie, je sais pas si je fais un truc bien. C'est vraiment une totale découverte, donc vous me direz dans les commentaires si vous pensez que j'ai bien fait ou non. Tac, ok, on récupère la base de bois. Toi, tu dégages direct. Ce truc-là me stun. On récupère un peu d'or. Oh, un taureau. Ok, on a dégommé le taureau, écoute. Hein. Oh, par contre, il fait des dégâts en forêt. Je dégomme. On récupère un peu de fer. Voilà qui me semble pas mal. Globalement on est bon. Ah voilà, j'arrive plus à passer. Ok, donc ça me paraît pas mal. Alors dis-moi tout. Boum 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 boum, on récupère un peu de sable, c'est parfait. On va peut-être manger aussi. Ah y'a un taureau, le taureau on va faire gaffe. J'ai plus qu'un point de vie, j'ai pas envie de dégommer. De toute façon, on est en train de se farmer tranquille de ce côté-ci. Alors, construire magie. Table d'inscription. On va la mettre pourquoi pas genre là par exemple. Ok. Qu'est-ce que ça fait? Papier. Ouais, livre moisi, d'accord. On va en faire 5 papiers, voilà. Je sais pas du tout à quoi ça sert pour le coup. J'ai l'impression d'avoir fait un peu de conneries, j'ai l'impression que c'est inutile. Mais bon, peut-être plus tard. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Économie banque. Il nous faut des lingots d'or. Fais-nous un peu d'or, tiens. 16 lingots d'or. Voilà, on va être tranquille avec ça. Un peu de charbon. Faut que j'arrête de venir ici pour farmer, parce que du coup, on a un truc extra, donc on va profiter. Ça me paraît plutôt pas mal. Ah, il y a encore un taureau, je vais le dégommer. Voilà. On le dégomme. Par contre, du coup, on devrait avoir pas mal de peau maintenant. Donc pour la cuir, ça pourrait être... pour le cuir, pardon, ça pourrait être bien. Ici, il faudrait que je mette des nasses. Voilà. Quand je passe ici, je passe assez souvent. Ok. Maintenant, c'est bon. On va manger. Du verre aussi. Il nous faut du verre. Du verre, on va en faire pas mal. Du verre. Deux. Ouais, ouais. De sable hein, pour le verre. Ça c'est plutôt pas mal. Ok, du sable. Ouais, on n'a pas normalement, je crois qu'il faut faire vraiment une horde de nasses, plus de malade. Allez, laisse-moi passer. Voilà, à chaque fois je galère, c'est ouf. Pour un poisson en plus. Tant pis, je vais ramasser plus tard. Dégage. Laisse-moi farmer tranquille. Faudrait aussi qu'on achète des terrains. Il faut aussi qu'on donne de l'argent à la fée. Plein de trucs à faire. Par contre, je sais pas, bah dis ouais, cette fille de l'argent, on échange une bénédiction. Enfin, donne-moi de l'argent et après je te bénis, machin. Je sens un petit peu le traquenard là. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais me faire un peu enfler. Mais c'est pas grave. On va le faire quand même, de toute façon, faut bien essayer. Qui ne tente rien n'a rien. La santé, j'ai rien eu. Alors bon.
Voilà. Dommage que par contre le truc de minage ne défonce pas les... les monstres. Ça m'éviterait de le faire à chaque fois. On a toujours, toujours envie de continuer à farmer. On farme, on farme, on farme, on s'arrête jamais. Ok, donc là je me fais plaisir de bois. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, je me fais plaisir. Voilà, donc là normalement niveau bois on est bon, ça devrait faire pas mal de charbon. Voilà, ok. Donc les pièces on va récupérer, tac. 935, ouais, on va même faire un peu de pièces. Hein. On va faire genre 2, 4. On va utiliser 4 minerais, enfin 4 lingots. Pour nous donner 24 pièces d'or, ok, donc ça c'est cool, on a de la chance. J'ai envie de voir ce que... Oh, pas mal. De l'or, on va prendre. Mon ami, ça y est, on va pouvoir. Alors, je vais venir te voir. Merci, c'est si aimable. Ok, prends ceci en grâce de ma gratitude. Aide la reine des fées. Ok. Oh, il faut une clé en plus. Oh, t'es pas très sympa, toi. Hein. Bon, une clé. Alors, comment on va faire la clé? Ouais, on peut la faire, donc il n'y a pas de problème. Ça va aller assez vite. Le livre moisi, à quoi il sert? On va en faire, hein. Je sais pas à quoi ça sert. Ah, on a plus de place dans l'inventaire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dégager? Un peu. Les œufs. On va aller. Ah, bon, ça m'embête un peu quand même. Le bois, on a trop besoin pour le jeter. L'or, pareil. Bah les crottes, honnêtement, ça on va les jeter. Je sais pas du tout à quoi ça sert et ça m'ennuie plus qu'autre chose. Voilà, récupérer ça. De charbon, alors qu'est-ce que est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que tu nous as arnaqué? Ouais, on va confère une régénération passive des PV d'énergie. D'accord, ça peut être utile, hein. Gain dispo augmenté de 15%. Ah oui, si, finalement c'est bien. Est-ce que c'est cumulable? Question que je me pose un peu, est-ce que c'est cumulable? Cumulable, ça peut être cool, hein. Est-ce que je peux en faire d'autres du coup? Tome visqueux. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, ça s'améliore petit à petit. Ok, je comprends mieux. Ok. Je comprends mieux maintenant. Alors, tome visqueux. Des papiers, bah tu vas en faire plein de papiers du coup. Une dizaine, voilà. Ok. On a plein, mais bon, j'en fais à fond parce que je sais qu'on a besoin toujours de charbon. Tac, ça me paraît pas mal. Ok, alors une prise, du sable, c'est parfait. Je récupère tout. De l'or, je prends aussi. Je voudrais faire une banque et le phare, je sais pas du tout à quoi il sert non plus. J'aimerais bien faire le phare aussi, ça pourrait être cool. Dégage, hop. Je suis un peu déçu par contre là, 1000 pièces d'or, on peut dire qu'elle nous a arnaqué la reine des fées là. C'est plutôt la reine des arnaques. Ok, je vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Par contre je sais pas du tout comment on fait des huiles là. Je sais pas du tout comment on peut faire. On va faire du verre. En tout cas, elle a quand même bien débloqué la zone. Hein. Alors toi, je te dégomme, j'en ai marre. À chaque fois, tu me prends dessus. Hop, t'es morte. Enfin, t'es mort plutôt, taureau. Donc ça a bien déblayé. On est tranquille. Voilà, on récupère. Tac, tac, tac. Ok, donc là, à la cool. De l'or, on va récupérer plein. Là, on a de toute façon d'or. Ok, ça c'est bon. Ça avance pas mal, hein. On est en train de farmer comme des dingues, mais ça avance pas mal. J'aurais envie de faire un druide, moi ça me dit bien un druide. Je sais pas quoi ça sert, mais ça doit être, je pense que ça va être carrément cool. Donc pour le druide, il nous fallait du plastique. Comment on va faire du plastique, c'est la question.
L'énergie est au plus bas, ok. Bah tu vas manger. Mange, voilà, fais-toi plaisir. Des betteraves à la fin. Alors, plastique, il va nous en falloir des bouteilles d'huile. Ouais, mais comment faire des bouteilles d'huile? C'est la question que je me pose. Bouteilles d'huile. Ah, on peut en avoir. Si vous savez comment on a des bouteilles d'huile, hein, dites-moi, je suis carrément preneur parce que je suis complètement dans l'expectative, je sais pas du tout comment on fait. Donc j'ai vraiment pas aidé en plus pour le coup là. Peut-être que c'est complètement logique et je passe à côté et que je suis naze, mais là pour le coup ça me dit rien, moi les bouteilles d'huile perso là. Me dit peut-être qu'en tuant les slimes, non c'est de la gelée, c'est pas de l'huile quoi. Je sais pas, peut-être qu'en... Non je sais pas, j'ai vraiment pas idée. Pour le coup là... Ok, déjà on va améliorer tout ça. Alors, là normalement ça va nous faire un hein, tome visqueux. Ok, ce qui va augmenter les bonus d'XP. Tac, on peut augmenter le level plus vite, hein. Finalement grâce à la magie c'est cool. Je pense qu'il va peut-être découvrir d'autres biomes peut-être. Ah, je sais pas du tout. Ok, globalement on est bon. Voilà, on a du bois à fond, donc normalement on est carrément tranquille. Je voudrais bien faire encore une autre banque. Ça c'est un truc, ça me dirait pas mal. Plein de revenus comme ça sans rien faire. Ça c'est cool. Ok, parce qu'on vient de passer niveau 21. Alors dis-moi tout. En compétences, qu'est-ce qu'on peut faire? Affaire. Au lieu d'être supprimé votre inventaire, les objets sont vendus instantanément. Ouais. Je serais bien à la logistique, moi. La logistique, ça me dit bien. Quoique la chimie... La pêche, on s'en fout un peu. Poisson, on s'en fiche carrément même. La récolte. 4 emplacements d'inventaire en plus, pourquoi pas. Je serais bien à la logistique, moi. On va faire la logistique, tant pis. Boum. Ah. Colonisation. L'achat des terrains coûte 30% moins cher. Ah, ça peut valoir le coup, ouais, effectivement. Donc là, normalement, il devrait aller farmer beaucoup plus loin. Ah bah oui, effectivement, c'est le double. Ah oui, ça a pas mal avancé, là. Ça me va, là je suis plutôt content même. Bon, on va le laisser farmer tranquillou du coup. Hein. Oh, alors tome disque, ça augmente, garde d'expérience augmentée de 30%. C'est pas mal, on va regarder ce qu'on peut augmenter encore. Nécronomicron, ok. Il faut des os, ouais, mais j'ai pas d'os, des habits royaux et du papier. Donc du papier, on va en faire encore 3, ça c'est pas grave. Et t'as dit quoi d'autre encore? Ah j'ai oublié, oh, j'ai déjà oublié, j'ai oublié. Ah, du royaume je crois. Du cuir on va en faire plein. On va se faire plaisir, 12. Voilà qui me semble plutôt pas mal. Alors. Par contre est-ce qu'il y a un truc pour désactiver les... Parce que c'est un peu chiant à la longue. Oh, je me fais ouvrir par contre. Oh là là, ça devient compliqué. Là il y a du fer. Là de l'or. Ok. On va même faire alors banque. Pour la banque. Quoi déjà? Je vais faire une banque. Banque bah parfait, on a ça. Tac. 3 banques maintenant côte à côte. Ça devrait augmenter les revenus assez vite. Et bah maintenant je serai en train de taper tout en or là. Pour faire des pièces. Tac, 8. On va faire des lingots d'or. 23. Voilà, moi je veux de l'or. Je veux de l'or absolument. Alors toi par contre je te dégomme. On va chercher un nouveau terrain. Oh, par contre les trucs, attends, on va quand même couper. Je vais regarder les options. C'est vraiment trop agaçant là. Le bruit devient à longue. Chiant, alors j'imagine pour vous. Plein écran, synchro vertical, volume des bruitages. Ouais. Pourquoi pas. Ah du coup vous entendez plus le bruit de la pioche? Ouais bah ça sera peut-être mieux parce que le pfff, toutes les 3 secondes ça peut devenir embêtant pour vous. Comme pour moi d'ailleurs. Tac, on l'enlève. Tentez comme. Ok donc globalement je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. Toi, qu'est-ce qu'il te fallait d'autre encore? Alors pour le Necronomicon. Habits royaux, ok, pour les habits royaux il fallait quoi?
faire 13, voilà. Boum, on claque tout pour les pièces. J'en ai un peu marre, là. Je veux qu'on gagne du temps. Il nous faut de l'or, par contre, là. Il nous faut beaucoup d'or. Tac, on va récupérer. 12. Ça me paraît pas mal. Alors, pour les nas. Ouais, super. On a que du... Ouais, c'est pas évident. Toi, tu dégages. Peut-être que lui peut nous en faire. Qu'est-ce que tu veux, toi, déjà, j'ai oublié. Je sais pas ce que c'est ces trucs-là. C'est pas grave. Voilà, toi, tu meurs. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus? Est-ce que c'était dans l'usine qu'on va pouvoir faire ça? Non, je vois pas où on peut faire des bouteilles d'huile. Peut-être là-dedans. Bah non, pas dans la couture. Je vois pas. Déjà, on va essayer de faire du verre. Le verre, on a toujours besoin de verre. Ok, du poisson. Ah, on a un peu de sable. Qui devrait être bien. Ouais, on a rien de bien spécifique. Ok, donc du verre, fais-toi plaisir. Est-ce que tu peux le doubler? Ah, oh, super, on a doublé du verre, c'est parfait. Ok, donc là, les banques sont en train de produire tranquillou. Nous, on est à court d'or, hein, globalement. On n'a plus que 13 minerais, enfin 13 lingots, c'est pas énorme. On va voir s'il n'y a pas moyen d'en crafter un peu. Ok, donc là, boum. D'en farmer plutôt que crafter. Hein. C'est plutôt le terme, le bon terme, c'est farmer. Voilà, il faut de l'or à fond. Là, j'en vois à fond. Ok, donc là, on devrait être pas mal. Est-ce qu'on irait pas dans le donjon? Non, peut-être pas pour l'instant. Toi, je te dégomme. Ok, je te récupère. Toi, pareil. Ouais, il faut qu'on achète un nouveau territoire pour avoir des os. Pour améliorer notre pioche, notre... Enfin, on a plein de trucs à faire encore. On va récolter de l'or à fond. Toi, je te dégage, tac, tac. Là. Voilà, de l'or. Il nous en faut à fond. Du charbon, on va le dégager aussi. En plus, ça empêche de passer, donc c'est tout bénef. Ah, donne-moi du sable. Il faut du sable en prio. T'as rien de spécial. Récupérer les pièces d'or. Ok, donc on est déjà à 860, ce qui me paraît pas dégueulasse. Zabir Royaux, je sais comment on en fait. Combien coûte un nouveau terrain? Alors déjà, on va aller dans le vert, on va refaire du vert. Ah, on n'a pas assez de sable. Ok. Lingot d'or. 15, voilà, tu vas en faire 15. Avec un peu de bol, tu vas le doubler, donc on aura un peu plus de 15. Ah, toi déjà. Viens là. Ok, on récupère qu'un os. Par contre, je sais pas du tout comment on peut faire. Ou alors même pas. Ou alors ce qu'on peut faire. À mon avis, il faut la pioche en os pour pouvoir passer ces trucs-là, je pense. C'est fort possible. Et c'est d'être en cassant ces trucs-là qu'on va faire surgir des... Non. Ah si, voilà. C'est en cassant ces trucs-là qu'on fait surgir des espèces de méchants, là. Tac. Et c'est comme ça qu'on récupère des os. Très bien. Là, ça me semble plus logique déjà. Ok. Ouais, donc pour la pioche, il va nous en falloir pas mal, je pense, des os. Donc on va se faire plaisir dessus. Maintenant qu'on a compris le système, c'est plus facile. Ah non, c'est pas automatique. Ça peut déclencher, mais pas automatiquement. Ok, on descend. On va faire qu'on mange. J'ai des traves, hein. Fais-toi plaisir, tac. Allez, eh, c'est résistant. Ok, donc là on a 9 os en total. C'est pas fini, on va farmer toute la zone. Je sais pas combien il nous en faut pour la pioche. Je vais regarder quand même pour la pioche, objet. Alors c'est dense, on peut pas. Là, faut que j'aille voir d'autre côté. On peut pas regarder de ce côté-ci. De toute façon, des autres il nous en fallait à fond, donc globalement on perd pas de temps. Dégage, voilà. Donc j'ai fait tout le tour parce que si je m'approche une fois, je me fais one shot. Hein. Donc j'ai pas intérêt à trop déconner avec ça. Alors on récupère les os, c'est tout bon.
J'espère en tout cas que c'est vraiment ça, sinon je suis un peu dans le mal. Ok, donc on a récupéré tout ce qu'on avait pu d'un point de vue os. Ah, vous, je vous dégomme, vous saoulez. Tac, tac. Ça me paraît pas mal, on va récupérer là. Est-ce que t'as du sable? Ouais, t'as du sable, un tout petit peu, pas énorme, mais t'en as un peu, donc c'est pas grave. Ok. Toi, tu dégages. Parfait. Ok, donc c'est là-dedans, du coup, qu'on peut faire la pioche en os. Ah, maintenant, il ne manque plus que des briques. Bah, des briques, on va en faire sans problème, ça. Hein. Des briques, je peux t'en faire plein. On va en faire une dizaine. Voilà. Ok. Donc la pioche, on va pouvoir la débloquer. Je suis content. Je pense qu'elle va m'aider à farmer plus vite. Et peut-être qu'on pourra débloquer de nouveaux trucs avec ça. Ok. On va retourner voir de ce côté-ci. Non, il n'y a pas d'autres tombes qui sont apparues. Il n'y a que des arbres. On va les couper quand même. Tac. Ok. On va redescendre. Alors, toi, la vache, je te dégomme. Voilà. On va juste gober une espèce de... Voilà, de petite... tac. Une sorte de fée, là, qui font de la lumière. Ouais, ici, il faudrait qu'on mette un bâton de minage. Ici. Genre, on le cale... Genre on le cale ici là, juste ici, boum. Là ça fera toute la zone, ça pourrait être pas mal. Combien coûterait un bâton de minage? Économie... Non c'est dans l'industrie. Bâton de minage, il nous faut de l'acier. Ok, et pour l'acier qu'est-ce qu'il faut? Ouais pas mal dans un godor, fais-nous en 6 quand même au cas où. Et je crois qu'on est bon par contre. Pour la pioche. Je crois qu'on est bon pour la pioche. Ah, maintenant il manque des lingots de fer. Ah, attends, lingots de fer, je peux peut-être en faire pas mal. Ouais, 38, donc on est bon. Et encore 38 parce qu'on a pas assez de charbon. Donc, on a de l'acier, ça c'est bon. Toi, tu nous faire un peu de pièces en attendant. Peut-être 3, voilà. Fais-nous en 3, comme ça on perd pas de temps. Tout au train de se produire à la cool. Donc ça c'est bon, lingots de fer, on a ce qu'il faut. On a 1000 pièces d'or, est-ce qu'on va pouvoir acheter un terrain par contre? Ouais, donc là ça me coûterait 800 d'agrandir ici. Ou alors 3300, ouais donc on a pas mal de choses hein, à acheter. Ici ça me coûterait combien? 960. On achète. Oh on a un espèce de vieux fou, allez voir encore là. Qu'est-ce que vous avez que ces trucs? Ouh attends, il y a combien de bêtes ici là? Tac, qu'est-ce qu'il faut? On dégomme, on dégomme. Attends. Le taux. Oh là là, c'est abusé, lui tu peux rien faire. Il te charge, c'est fini. Voilà. Ok. J'ai plus qu'une vie donc j'étais un peu en train de bader. Ouais on va faire un pont. On va faire un pont. Ah déjà compétence, on a un autre point. Ok donc ça c'est cool. Alors 30% ça me paraît naze. Est-ce qu'on ferait pas architecture? 25% de moins quand même. Quoi que c'est quoi éclat? 20% d'XP en plus. Combat, la chimie, maçonnerie. Les pierres apportent 40% de minerais en plus. Maçonnerie c'est quoi? Des blocs les... Braseros, 25% de pierre en moins, mais la pierre on s'en fout un peu. Bah, allez, on va se mettre un peu dans la magie textile, un peu dans le textile, voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça fait les gants et les bottes. Hein. Et du coup ça nous débloque, joaillerie. Débloque les amulettes, les ventes de gemmes rapportent 20% de pièces en plus. Ouais. Bah très bien, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile, mais tant pis. J'aurais peut-être pas dû choisir ça. À chaque fois je me dis j'aurais pas dû. Mais je le fais quand même. Ça va être super, faut que je regarde. On va refaire un pont pour aller voir le vieux. Tac, 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 tac. Voilà. Alors dis-moi tout, c'est dangereux d'y aller seul. Mais prends ça. Une crotte? Pourquoi tu me donnes une crotte? Mon ami, le piaf, m'a parlé d'œufs d'or. De toute ma vie, je n'en ai jamais vu un seul. Pourtant, j'aimerais bien... Si seulement il y avait quelqu'un d'assez jeune et aimable pour m'en trouver un. Ok. Il donne des crottes. Très bien. Et il faut trouver un œuf d'or. Ouais, donc vu le nombre de poules qu'on a, il y a moyen d'en trouver un, hein, globalement. Si on n'est pas trop bête. On va essayer de choper des poules, tiens. Ils sont où les poules? Ouh, il y a des prises de partout, là. Donc on va essayer de choper les prises. Ok, ça c'est bon. Boum, 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 boum. Ok. Ouais donc on a toujours pas de... Alors il y a des poules par contre, on va aller voir les poules. Faites-moi un œuf d'or.
Non, rien, bah tant pis, c'est pas grave. On va pas les tuer du coup, on va essayer d'en avoir plusieurs. Ouais, s'il faut vraiment que je fasse un bâton de minage, c'est obligatoire. Alors, bâton de minage. On va remettre un là. Attends, je suis là. Hop, on va se décaler. Industrie, bâton de minage. Alors, je le cale ici, ouais, pour toute la zone. Là, je le cale là, voilà. Pour toute la zone. Ok, donc il a de quoi farmer. On va laisser faire tranquillou de ce côté-ci. On va même farmer jusqu'à là, donc ça, c'est bien. Ça c'est plutôt cool. Ah. Ah oui, mais attends, notre pioche, on doit avoir notre pioche, j'ai oublié cette histoire de pioche, tiens. Hop, 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 hop. Maintenant qu'on a assez de... Ah. Ah, maintenant il nous faut des briques, mais c'est abusé. J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Brique 8. On n'a pas assez de charbon maintenant, super. On va en faire... la moitié, je sais pas, la moitié, donc genre 120, voilà. 120. Voilà. Est-ce que je peux pas directement aller farmer du charbon aussi pour aller plus vite? On a quand même des pièces ici hein. Voilà, moi je récupère 100 pièces, c'est cool. Bon, normalement avec ce que je viens de récupérer en charbon, je devrais pouvoir faire 8 briques sans problème. 10, voilà. Et après on fait notre pioche. Mon inventaire est plein. Ah oui merde, qu'est-ce qu'on va pouvoir jeter du coup? Des belladones, on s'en fout, on va jeter, ça sert à rien ça. Et la citrouille, tu vas en manger une et tu vas acheter le reste, on s'en fout de la citrouille. Pas grande utilité au truc. Ok, donc globalement c'est bon, on a pas mal progressé. Ce qui serait pas mal, pioche en os. Ouais, encore un, encore une brique, on va attendre la dernière brique. Ça devrait être bon. On a ce qu'il faut au niveau brique, c'est parfait. Alors c'est parti. Pioche en os. Tac. Donc ça devrait être bon. J'espère que du coup les espèces de protection en pique qu'on a là. J'espère qu'on pourra passer à travers avec notre pioche. J'espère qu'on va farmer plus vite aussi. J'ai de grands espoirs sur la pioche. Hein. Toi je vais te dégommer par contre. Mais clairement. Ok. Après on va claquer tout notre or pour des pièces, hein, simplement. J'en ai un peu marre là. Je voudrais avancer. Le charbon, on a ce qu'il faut. On va faire du verre aussi, parce qu'on est toujours en galère de verre. Alors, verre. Ah, la pioche, enfin. Les dégâts sont augmentés de 150%. 50% d'os en plus quand vous les tuez. Ok, la prochaine pioche, c'est une pioche enflammée. Il faudra de l'acier et du verre. Et du piment. Ouais, donc globalement, ça, on peut en avoir. C'est pas un problème, donc du verre. C'est un peu à galère, mais on fait que ça, d'en faire. Est-ce que je peux m'approcher? Ouais, donc là, je fais quand même plus de dégâts, ça c'est clair. Est-ce que par contre, je... Ah, attendez, on va quand même avoir la poule. Fais-moi un œuf d'or. Non, un œuf normal, tant pis. J'avais un œuf d'or, mais je l'ai vendu en plus, comme un naze. Je savais pas que c'était pour la quête. Eh ben non, on est toujours en train de se faire avoir. Je sais pas du tout comment on peut passer par là, quoi. Il y aurait pas un sort, un truc, j'en sais rien. Tant pis. Ah, ça m'embête pour le druide, parce que je sais pas comment on fait les... Ah, c'est dommage, ça me disait bien. Les bouteilles d'huile. Je vais regarder fait sur internet. Alors, je vais regarder en live avec vous. Alors, je vais taper bouteille d'huile. Je pourrais le couper, mais c'est plus marrant que vous soyez avec moi. Bouteille d'huile. Faux. Rager. Ah mais je trouve que c'est des promotions d'une bouteille des bouteilles d'huile, mais j'ai pas besoin quoi. Ouais. Donc si t'as Forager en premier, bouteille d'huile peut-être. Forager. Ah oui, c'est peut-être mieux effectivement. Bouteille d'huile. Ah. Eh ben non, j'en tombe sur d'autres promotions. Oh bah écoutez, si vous pouviez... Ouais c'est ça, si vous pouviez du coup me dire dans les commentaires ça m'arrangerait pas mal parce que là je m'en trouve un peu keblo et même sur internet j'arrive pas forcément à trouver donc je pense qu'avec des recherches un peu plus poussées j'y arriverai mais bon pour le coup voilà. Ouais il nous faut plus de lingots d'or, ça c'est obligatoire. 11 lingots, ça me paraît cool.
Mes banques sont en train de produire, donc ça c'est plutôt bien. Est-ce que toi tu peux me faire un œuf en or? Non, toujours pas. Du sable. Est-ce que toi tu peux me faire... Ah, toujours pas. Allez, j'ai pas d'œuf en or, hein, c'est abusé. Eh ben écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Si vous savez comment on fait des bouteilles d'huile, surtout n'hésitez pas à me dire parce que je suis keblo avec ça. Donc en tout cas, je vous remercie au moins d'avoir regardé l'épisode et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.